L'église de San Francesco de la Scarpa, aujourd'hui désaffectée et partiellement appartenant à l'internat Palmieri, a été construite en 1330 et elle est située dans le centre historique de Lecce. L'histoire du nom de l'église est très insolite et renvoie à une ancienne légende populaire. On raconte que en 1222, les fidèles ont demandé à Saint François d'Assise, dirigé vers la Terre Sainte et hébergé à Lecce, de laisser un souvenir de son passage. Le saint répondit favorablement à la requête en leur donnant son sandal. Dans l'oratoire où, selon la tradition, le saint d'Assise demeura, il y a de nombreuses fresques du XVIIIe siècle, restaurées au siècle dernier par Pasquale Grassi et représentant les diverses étapes du parcours spirituel du moine. En 1874, le chercheur Cosimo De Giorgi établit à l'intérieur du clocher l'observatoire météorologique et ensuite un centre de surveillance d'un réseau de stations pluviométriques institué en 1877. Aujourd'hui, l'intérieur de l'église est à croix grecque, parcouru par des ordres de pilastres. Elle ne conserve que 5 des 10 autels originaires. Le plus suggestif est l'autel majeur, surmonté de la statue en papier mâché de Saint Joseph avec l'enfant Jésus, datant de 1833. Parmi les autels restés encore sur la place, il y a celui dédié à Saint François, situé à la droite du transept et attribué au sculpteur Pasquale Simone.